Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve en meilleure forme que je ne vous ai quitté il y a quelques jours. Je couvais quelque chose, hein, parce que quand j'ai arrêté le vlog, j'ai eu nausée, vomissement. Ça m'a duré 2-3 jours, j'ai dû me choper une vienne gastro, ce qui explique mon état. Aujourd'hui, donc on est vendredi, c'est la reprise d'Eric, hein, la rentrée des professeurs. Vous aurez vu très certainement, c'était peut-être il y a 2 jours, ma vidéo création DIY avec les cubes. Est-ce que vous avez vu le tapis? Donc c'est vrai que j'étais un petit peu rapide, vous ne l'avez peut-être pas bien vu vraiment. Je vous remontrerai juste après. Qu'est-ce qu'il est beau, je suis vraiment contente d'avoir choisi celui-là. Et aujourd'hui, donc, il fait très très beau. Ce midi, je ne sais pas encore si je vais manger en extérieur ou pas. Je me tâte déjà à voir s'il rentre manger ou pas, Eric. Et cet après-midi, ça risque d'être rangement à la maison. Je vais continuer à faire du tri et peut-être aller faire 2-3 boutiques. Parce que j'ai des petites idées en tête. Comment il va, mon bébé Jack? Oh là là, se repose, mon bébé. Oh, ça fait des gros dodos. Vous auriez vu, il était tellement mignon avec moi quand j'étais malade. Il venait contre moi. Il m'a veillé encore. Le facteur vient de passer. Je crois que c'est ma collab. Que je vais mettre là-haut. On va regarder ça ensemble. Donc je vous remontre le résultat avec ce fabuleux tapis. Je vais trouver là où c'est l'angle est le mieux. Ça rend tellement bien. Vu de plus loin, c'est vraiment canon. Hein. Oh là 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 là. Alors il y a une petite odeur hein, de neuf. J'aère, mais bon, vu qu'il y a des travaux, ça fait un bordel. J'attends un petit peu. Je viens de l'ouvrir, c'est bien ça. Oh, trop content. Donc ça, c'est un partenariat avec la marque Mapiful. Je vous montre et je vous explique surtout le concept. Alors voilà, il s'agit en fait d'un poster. Le concept, c'est que on choisit n'importe quel endroit dans le monde entier qui nous inspire tout simplement. Bah, forcément, moi j'ai choisi Saint-Martin et on choisit la typo. Il y a plein de modèles. Moi j'ai choisi qu'on voit vraiment l'île, mais ça peut être vraiment la carte vue du ciel, ça peut être un plan de la ville. On fait ce qu'on veut, on écrit ce qu'on veut. Moi, j'ai vraiment pensé que ce graphisme serait pas mal. Il y a plusieurs formats. Moi, j'ai pris le 50 par 70. Il y a plus petit, il y a plus grand. Je sais qu'ils utilisent du papier de très haute qualité. Je crois que c'est du 180 grammes. Bref, on fait ce qu'on veut. J'ai pas pris, mais il y a un entourage. On peut prendre aussi, je crois, c'est un cadre magnétique. Moi, j'ai un super cadre que j'ai choisi et qui va être parfait. Donc, je vous mets, si ça vous intéresse, bien évidemment, leur site en barre d'infos. Ce cadre qui attendait sagement justement le paquet, tout ce qu'il y a de plus classique avec l'encadrement blanc hein, comme ça. Voilà comment il rend une fois encadré, c'est plutôt pas mal. Hein. Je pense le mettre, mince, on va être encore à contre-jour, attendez. Là, je ne vais très certainement pas le centrer complètement. Je vais le centrer à partir de là, jusque là, ça sera je pense plus harmonieux et du coup... J'ai l'impression que ce tableau, ça n'ira plus. Il faudra que j'enlève et que je mette autre chose parce que non, je pense que ça va pas le faire. Bon, je m'en rendrai compte une fois que ce sera mis. Donc voilà pour ce super cadre qui, l'avantage, c'est que c'est personnalisable. À souhait, tu fais ce que tu veux. Bon, bah, ce midi, c'est petit restaurant chinois. Je vais y aller tranquille quand même. Mais voilà, petit panier vapeur. Ouais, c'est pas mal, il m'a dit pas toucher sur... Oh bah, la peur a eu raison de moi. De retour, c'était excellent le chinois. J'ai pas fait trop d'excès, hein. J'ai pas pris de plat à proprement dit. J'ai pris des nouilles sautées, il y avait dedans des petites crevettes et puis l'entrée là, à la vapeur. Et après, je suis allée faire un petit tour chez Bonobo. Je me suis pris une petite salopette jupette. Trop mignonne et un petit haut, je vous montrerai après, mais pour l'heure, c'est ce que je vous avais dit, tri, rangement, donc c'est je garde, je jette, je donne. Ce que je jette, c'est que ça sera vraiment dans un état immétable, indonnable, voilà, donc ça c'est la mission, la grosse mission de l'après-midi. Je vous montre vite fait, mais ça sera mieux quand ce sera essayé, donc un petit haut comme ça, manche longue. Je l'ai essayé évidemment et petite salopette de ce coloris kaki comme ça, très mimi. Alors par contre j'ai pris XS parce que je partais sur un S, mais elle est quand même assez large. Vous voyez, le devant est comme ça zippé.
C'est ici que tout va se passer, le retour de la chambre. En gros, bordel, j'ai commencé, hein, j'en ai mis partout par terre pour vraiment faire le tri. Bien ranger, bien trier. Ça fait très chaud. J'ai le ventilateur qui est là. Regardez-moi ce joli ciel. C'est pas mal, hein? La vue est pas mal, faut dire. Ils arrivent, ces sacs plastiques? Et toi, tu veux venir? Bon, je pense que dans 5 minutes, il est avec moi. Hein. J'ai mon petit assistant qui est là. Ça, c'est ce que je garde. Ça, c'est ce que je vais laver pour soit vendre, soit donner. Oh, il reste encore tellement de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il est trop tôt. Je me suis à faim. Et moi, j'ai un gros coup de barre. Mais il faut pas que je m'endorme. Mais elle me va pas mal. Total look. Oh là là. Non, vas-y, je me suis changée. J'ai commencé à faire le pas mal de tri. Et bah là, je vais essayer de tout déblayer. Ouais, pas partout, hein. Partout, et le fait de le faire avec vous, ça a quelque chose d'un petit peu plus motivant, je trouve. Le sac, donc ça c'est vraiment tout ce qui est imméthable de chez imméthable, pété, trop vieux. Hop, je me lasse pas. Et Eric est rentré au boulot, il m'a dit qu'il était ok pour l'accrocher parce que je me suis dit bon, il aime pas du tout quand je fais des trous parce que c'est vrai que c'est une vieille maison et on sait pas ce qu'il y a derrière les murs, donc parfois ça peut tout péter. Ça, voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'endroits où ça s'est effrité et les meubles bah, ils tombent. Mais en plus, ça, c'est pas trop lourd, donc ça va. J'ai mis le sac à dos. Bon, j'ai terminé, enfin, c'est terminé, oui et non, le rangement. Je pense que je continuerai un peu demain. Il est l'heure de manger. J'ai mes clés, donc devinez. J'ai proposé à Eric pour fêter sa rentrée d'aller au McDo. J'avoue que moi, ça m'arrange. Et puis, comme ça va un petit peu mieux, je vais y aller cool, mais ça me dit bien de manger. J'ai pris quoi? Ah oui, 9 nuggets, potatoes. Et les signatures. Il a changé la chaîne. Bah, qu'est-ce que tu as mis? Tu préfères regarder des sitcoms? Bah oui, je sais ça, tout ça, on le sait tous. Ouais, donc rien compris. Ils étaient en rupture de tout. C'est pas compliqué, rupture de tout chez McDo. C'est pas grave. Je n'ai pas pris de dessert. Pas de glace, pas tout ça. J'ai dit que je faisais gaffe. De temps en temps, peut-être le... Qu'est-ce que c'est que cette série? Je comptais me regarder le replay du meilleur pâtissier que j'avais pas pu voir l'autre soir et je sais pas, il me marque que c'est indisponible. Bon. Je suis retombée sur la série Gossip Girl que je m'étais matée en intégralité. Il y a quand même 7-6 saisons et j'ai envie de me la refaire. Ouais, ça me tente pas mal. Et bah, je vais conclure maintenant ce petit vlog et j'espère que bah, ça vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Salut!